I think in so there are things in different J'étais venu avant la deuxième. Moi j'ai trouvé, voilà, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé. Et sans transition, je donne la parole à Philippe Jory. En tout cas, c'est dans cet ordre-là que c'est indiqué. On a maintenant un chapitre sur mode d'action, principe de prescription, schéma thérapeutique, gestion et prévention des effets indésirables, qui sera fait par trois orateurs. D'abord Philippe Jory, Sylvie Imbert et Patrick Delasselle. Je les présenterai au fur et à mesure. Vous disposez donc chacun de petite quinzaine de minutes pour qu'il y ait quelques questions avec la salle. Alors, je tiens à remercier Jean-Claude Amezen et je vais lui répondre. Dans le budget de Bacqueville, il était prévu des présentations en congrès. Donc, je suis allé à Berlin dans le budget de Bacqueville et pas du tout invité par un laboratoire. Voilà. Donc, c'était vraiment prévu. On l'avait prévu parce qu'on a eu les moyens de le faire. Et des fois, il n'y a pas assez d'argent pour le faire. Donc, voilà, j'ai des conflits d'intérêts, mais pas pour aller à Berlin. Bon. On va faire un peu de médecine. Je sais qu'il y a des patients, on va faire la médecine avec eux, puisqu'on a dit, hein, c'est l'approche, nous on est pour l'approche centrée patient, donc ça tombe bien. Alors le baclofène en pratique, donc on a parlé des paradigmes, c'est vrai que c'est un gros mot, le paradigme, c'est un mot savant qui veut dire changement de dogme, changement de façon de voir les choses, et moi personnellement je pense que le baclofène apporte trois nouveaux paradigmes, qui bien sûr vont se développer. Le premier, c'est que l'abstinence n'est plus nécessaire pour traiter les problèmes d'alcoolisme. Et ça me semble vraiment un paradigme majeur. Et on a bien vu la Société française d'alcoolologie qui petit à petit a modifié sa perception des choses. Et puis, je vais aller plus loin. C'est-à-dire que l'abstinence, ça peut être un objectif, mais à ma grande surprise, et c'est ça qui m'a un peu bluffé avec l'histoire du baclofène, c'est que les premiers patients que j'ai vus, et très rapidement, un certain nombre de patients que j'ai vus, donc c'était 2008, ils avaient comme objectif de boire comme tout le monde, de pouvoir gérer, pour ceux qui ne pouvaient pas gérer. Et à ma grande surprise, il y en a un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain, qui au bout de 3-4 mois m'ont dit, vous savez, finalement, je ne bois plus. Je n'ai plus envie, je suis indifférent. Donc voilà. J'ai décidé de dire les choses autrement. Je veux dire que l'abstinence n'est plus un objectif, mais peut-être une conséquence du traitement. C'est un effet indésirable. Et donc, je trouve que ça peut être un bon effet. Voilà. J'ai encore vu hier un patient, un avocat, qui me disait, bon, finalement, je ne bois plus. Et vraiment, je n'en vois plus du tout l'intérêt. Je suis vraiment, je n'ai plus aucune envie. Et ce n'était pas du tout son objectif. Et donc, ça, c'est quand même assez bluffant. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de médicaments qui ont donné cette indifférence à l'alcool. Il n'y en a pas. On peut soigner efficacement les patients non dépendants ayant un problème d'alcool. Je l'ai dit ce matin, c'est-à-dire qu'un patient qui boit une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine, mais quand il boit, il ne peut pas gérer. Et ça dérape, et ça déraille, et donc c'est plus fort que lui. On sait très bien que ce n'est pas une question de volonté. Et voilà, il boit un verre, deux verres, et puis il se dit, bon, de toute façon, j'arrête au troisième, et puis il ne peut pas. Voilà. Donc ça, le baclofène peut gérer. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Donc ça fait partie aussi des 3 millions de patients qui ne sont pas dépendants vraiment. Et puis, cette fameuse indifférence, qui n'est pas un terme médical du tout, donc il n'est pas reconnu. Autant l'abstinence est un terme médical et reconnu, autant l'indifférence est un terme inventé, je pense, par Olivier Amezen, ou je ne sais pas, par quelqu'un d'autre, des patients, qui ont parlé d'indifférence. Et c'est vraiment ça. Et moi, pour mes patients, j'ai un test. Parce qu'ils me disent, c'est quoi indifférence? Alors, j'ai un test. Je leur dis, écoutez, vous achetez où vos alcools et votre vin et tout ça, votre bière? Alors, quand ils me disent, chez le marchand en bas, là, N, vous savez, en France, il y a beaucoup de N dans toute la France. Non, un N, pas H-I-N-E, hein. N, un prénom. Donc il me dit, voilà, donc c'est là que je vais, et quand je sors du boulot, c'est malgré moi, j'y vais, comme on peut aller au bistrot du coin, comme c'est malgré moi, là c'est mon chemin habituel. Je lui dis, écoutez, vous passez devant, vous faites un effort, vous passez devant, et puis vous voyez ce qui se passe dans votre tête. Alors je dis ça comme ça, je dis, est-ce que ça s'allume?
Hein, donc, d'ailleurs, Olivier Amezen l'a écrit dans son livre. Il est passé devant le rayon alcool et puis rien ne s'est passé, donc il a été complètement éberlué. Donc, il est retourné pour voir si rien ne se passait et rien ne se passait. Et ça, je vais vous montrer une diapo où on le voit sur une IRM. Donc, ça ne s'annule pas. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc, c'est un test que vous pouvez demander à vos patients. Voilà, vous allez au magasin où vous avez l'habitude d'acheter, vous vous promenez dans les rayons, il y a plein de whisky, plein de bière, plein de trucs, et puis vous voyez ce qui se passe. Eh bien, il ne se passe rien quand ils sont indifférents. Donc, j'avais préparé le truc de pharmacocinétique, je vais aller vite puisqu'on en a déjà parlé, mais même si mais c'est vrai que les chiffres qu'on a ne sont pas les mêmes que dans l'étude BACLAD. Bon, ils ont d'autres chiffres. Des variations interindividuelles importantes, et ça, on le sait. Des concentrations plasmatiques, nous, on a trouvé maximale entre 30 minutes et 1h30, ce qui fait qu'il faut des prises rapprochées dans certains cas. Demi-vie d'élimination plasmatique entre 3 et 4 heures. 80% d'élimination rénale sans métabolite actif, ça c'est important, parce qu'on sait très bien que par exemple les benzodiazépines s'éliminent, mais ont d'énormes quantités importantes de métabolites actifs, ce qui fait que quand on vous donne une demi-vie du bromazépam, par exemple, elle est de 60 heures, parce qu'il y a des métabolites, alors que le bromazépam en lui-même, seul, la molécule seule, mais les métabolites, ça complète et ça allonge de façon souvent importante. Le baclofène, il n'y a pas de métabolite. Donc, c'est pour ça que je pense, comme c'est une émission rénale, il faut doser la créatinine, mais je vous l'ai dit ce matin qu'a priori, ça ne changeait rien. Ça n'abîme pas le rein, même à des doses importantes. Utile dans les insuffisances hépatiques, on va voir. Je vais vous montrer une diapo après sur l'insuffisance dans la cirrhose, parce que ça me semble important, parce qu'on dit toujours qu'il ne faut pas en donner, mais il faut, je pense qu'on peut. Dans le liquide céphalo-rachidien, les concentrations sont d'environ 8 fois et demi plus faibles que dans le plasma. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il existe une forme d'injection intrathécale de baclofène utilisée dans la sclérose en plaques résistante au niveau de la spasticité. Donc, à l'hôpital, dans certains services spécialisés, on peut injecter de façon intrathécale le baclofène. Parce que là, on injecte toute petite dose, ça suffit. Ce qui prouve bien que le problème de la barrière méningée est un problème majeur. Je pense qu'on pourra trouver, et ça c'est le boulot des chercheurs, des chercheurs cliniciens, mais des chercheurs dans les labos, des formes, baclofène ou d'autres molécules, c'est pas grave, mais qui ont une meilleure pénétration, qui pourraient donc ne pas être obligés de donner des doses avec des effets indésirables. Donc c'est un agoniste, on l'a dit. C'est intéressant quand même de voir que ça agit sur le circuit de la récompense, parce que donc, si vous voulez, ça ne tombe pas d'en haut comme ça par hasard, je veux dire qu'on sait comment ça agit en général, donc on sait que ça agit sur le circuit de la récompense, et dans les addictions c'est important. Donc les agonistes diminuent, voire suppriment les réponses conditionnées aux substances. Donc je vous ai mis un peu toutes les substances pour ces agonistes. Je n'ai pas dit que le baclofène marchait dans tous ces cas. Mais bon, l'action du baclofène repose probablement sur l'action anti-craving. Ça, c'est important et c'est évident. D'ailleurs, les études, vous avez vu l'étude hollandaise et l'étude française Alpadir, qui ne montraient pas de différence au niveau de la consommation, montraient par contre une différence au niveau du craving, cette compulsion qu'on ne peut pas gérer. L'effet anxiolytique, c'est probable aussi. Et Olivier Amezen le disait bien que toute sa vie, il a eu des crampes dans les jambes, il a eu des douleurs dans les jambes qui n'étaient que soulagées par l'alcool. Et puis, finalement, il a trouvé le baclofène qui a soulagé aussi ses douleurs. Donc, c'est aussi, bah, évidemment, c'est un mieux relaxant. Hein. Ce qui explique aussi les effets indésirables, hein, le fait des mieux relaxants puissants. Voilà, donc je voulais montrer quand même cette photo qui a été piquée chez Childress, où on voit... un peu compliqué, là. Mais je ne sais pas si il y a un truc. Enfin, bref, vous voyez, donc ce qu'on appelle les cues, on peut dire ça un hameçon, c'est-à-dire un peu le test que je fais. Donc c'est on met de la, là c'est la cocaïne, on met de la cocaïne devant les yeux et ça s'allume. Et là on voit que avec le placebo, il y a plein d'endroits qui s'allument, et puis avec le baclofène, il n'y a rien qui s'allume. Et donc ça, c'est ça quand je dis. Et les patients, quand on leur dit, vous voyez, ça s'allume dans votre tête ou ça s'allume pas, ils comprennent très bien. Des fois, je leur montre ça, c'est intéressant, leur montrer qu'il y a un substratum physiologique réel à cette molécule. Et je vous ai mis aussi les rats. La première fois que je suis allé à un congrès, il y a quelques années, d'addictologie, je ne comprenais pas, ils me parlaient tous des rats. Et là, j'étais encore à Berlin, où 9 communications sur 10, c'était sur les rats. Et puis, nous, on a un peu sorti en montant les épreuves cliniques, de la recherche clinique, qui n'était pas sur des rats. Donc là, on voit sur cette diapositive, donc c'est de l'alcool. Donc il y a une race de rats qu'on arrive à rendre très facilement dépendante de l'alcool, les Sardinian rats, les rats de Sardaigne.
Et donc, une fois qu'ils sont dépendants de l'alcool, ils peuvent pédaler pour boire. Et ceux qui sont dépendants, ils vont boire de l'alcool jusqu'à mourir. Et puis ceux qui sont pas dépendants, ils vont boire de l'eau. Il y a de l'eau à payer. Voilà. Alors, on les met sous baclofène. Donc, il y a le placebo. Et puis, il y a le baclofène à 1 mg kilo et le baclofène à 3 mg kilo. Et on voit que quand ils sont à 3 mg kilo, ils ne boivent plus d'alcool. Ils boivent de l'eau et ils vivent. Puis après, il y a la barre au milieu. On arrête de donner tout traitement et ils redeviennent dépendants et ils ne sont pas guéris, en fait. Ça veut dire que ce qui n'est pas tout à fait pareil chez les humains. Voilà, donc ça veut dire que, et c'est là-dessus que Olivia Mézen s'est basée, entre autres, donc ça c'est une étude qui est parue en 2004, donc c'est une étude qui montre que finalement, à petite dose, ça ne marche pas très bien, hein, chez les rats, et puis à forte dose, 3 mg kilo, ça marche très bien. Alors Olivia Mézen, et c'est là que je compare à Pasteur, parce que Pasteur s'était aussi trompé au niveau de son hypothèse. Il a dit, je pèse tant, 3 mg kilo, alors pour la cocaïne, c'est 4 mg. Alors il dit entre 3 et 4, donc il faut que j'aille jusqu'à 250, 270. Il a calculé comme ça. Et en fait, toutes les études montrent que, et c'est paradoxal, et je l'avais dit à Olivier d'ailleurs, il s'était marré, toutes les études montrent que ça n'a pas de rapport avec le poids chez l'homme. Et la conclusion, c'est que nous ne sommes pas des rats, si vous voulez. Ouais. Donc en fait, s'il avait pesé 50 kilos, eh ben, il n'aurait pas monté aussi haut, il n'aurait pas trouvé probablement. Et heureusement qu'il était un peu plus gros à ce moment-là. Bon, c'est un aparté. En tout cas, quand vous avez un patient, ça ne sert à rien de lui dire vous pesez 80 kilos, il vous faudra 3 x 8,24, 240 mg. Ça ne marche pas du tout comme ça. La seule concordance qu'on trouve dans les études, c'est la quantité d'alcool bu avant le début de la prise de baclofène. Plus on boit, et c'est pour ça que ça marche sur les high doses, les risques avec les fortes doses d'alcool, plus on boit et plus il faut de baclofène. Et donc dans les études où justement on monte beaucoup, on arrive mieux à soigner tout le monde. Voilà. Donc ça, c'était juste un aparté. Alors, voilà, je vais arrêter avec tous ces trucs très scientifiques et très ésotériques pour ceux qui sont dans la clinique ou ceux qui sont patients. Alors en pratique, je crois que c'est ça qu'on m'a demandé. En pratique, évidemment, en France, on a une RTU. Donc la RTU, c'est la recommandation temporaire d'utilisation. On peut quand même, quelque part, rappeler que la RTU, c'est quelque chose qui est important. En fait, pourquoi ? Pourquoi une RTU ? Et pourquoi ? Alors qu'il y a des ATU. C'est la première fois, je crois, au monde, qu'une association de patients, que l'agence du médicament peut s'autosaisir. Donc les patients ils saisissent, l'agence du médicament peut s'auto-saisir pour essayer de voir l'effet d'un médicament hors AMM. Et comme l'a très bien dit Amezen juste avant moi, donc il a dit le problème, voilà, c'est l'AMM, il faut que ce soit le laboratoire qui le demande. Et bien les ATU, il faut que ce soit le laboratoire qui le demande, et donc il n'y avait rien qui permettait à l'agence du médicament de s'auto-saisir. Vous verrez les chiffres après. D'augmentation de la consommation de baclofène, pas d'alcool, de baclofène à partir de 2008, il n'était rien prévu dans la loi pour qu'on puisse faire quelque chose de façon légale. Et donc il a fallu créer la RTU, où là les patients ont pu demander une modification de l'AMM, mais il faut quand même toujours un labo pour déposer le dossier AMM. Mais la RTU, pas besoin de labo. Et je peux vous dire que Novartis et Sanofi, qui possèdent donc l'un le baclofène et l'autre le Lioresal, un le générique et l'autre la molécule Princeps, moi je les ai sollicités. Je les ai sollicités pour l'étude Bacloville, pour qu'au moins voir s'ils pouvaient me payer au moins le placebo, ou bien me donner le Lioresal, le produit. Donc il y a eu un refus des deux, qui m'ont dit ça ne nous intéresse pas l'alcool, c'est pas notre problème. J'ai gardé le mail parce que c'est quand même assez sidérant de voir des laboratoires de cette ampleur dire que ça ne les intéresse pas les patients qui ont des problèmes d'alcool. Ils ont dit des alcoolos, hein, ils n'ont pas dit les patients. Bon. Et quand même, quelque part, et on a dû acheter donc le produit actif au prix normal. Voilà, on a acheté le Lioresal au prix normal. C'est quand même un comble. Hein. C'est même pas fait. On a acheté beaucoup hein, pour l'étude. On n'a même pas eu une ristourne. Hein. Bon. Voilà, c'est un aparté, mais je pense que quand on parle d'industrie pharmaceutique, des fois. Et alors donc, suite à la loi Bertrand, donc qui permet la RTU, et bien la RTU prévoit que le laboratoire est obligé de payer la plateforme. Et donc Sanofi et Novartis ont été obligés, et n'étaient pas très contents, de faire la RTU et de payer. Voilà. Mais bon, ils ont gagné beaucoup d'argent aussi en vendant leurs produits.
Voilà, donc légalement, je suis obligé de vous mettre la RTU, qui va changer. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une publication de la NSM hier, donc qui en parle et qui dit que ça va changer, donc qui attend les données safety, comme ils disent, de Baclofield. Donc chez les patients alcoolodépendants, après échec des autres thérapeutiques disponibles, ça c'est la RTU, deux indications, et là on a eu quand même un grand plaisir de voir les deux indications retenues, donc aide au maintien de l'abstinence, ok, bon, on passe, après sevrage, et surtout réduction majeure de la consommation d'alcool jusqu'au niveau faible de consommation, tel que défini par l'OMS, chez les patients alcoolodépendants à haut risque. Voilà, ça c'est la RTU, donc c'est l'NSM, donc on voit quand même le changement de paradigme aussi au niveau de autre chose que l'abstinence. À qui ? À qui ? Pour nous, pas pour la RTU. Donc on a publié un guide de prescribing guide pour baclofène. Donc aux patients alcoolodépendants qui boivent dès le matin, ça c'est ceux qu'on connaît tous, mais bon, il n'y a pas que cela, loin de là. Aux patients qui ne boivent qu'à partir de 18 heures et qui ont une consommation dite nocive. Et c'est cela qu'on a vu apparaître. C'est cela qu'on a vu qu'ils disent, mais moi je ne suis pas alcoolique, moi je bois quand je rentre chez moi, après le boulot. Et au travail, je ne bois jamais. C'est cela qu'on a vu apparaître dans nos cabinets. Et c'est ceux-là qui sont finalement très bien ciblés par le baclofène, parce que dans leur tête, alors j'utilise des termes qui ne sont pas médicaux, mais disons que l'alcool arrive à parasiter leur tête à partir d'une certaine heure et ce n'est pas parasité dès le matin. Si c'est parasité dès le matin, c'est différent. Supérieur, donc, dites nocive, c'est-à-dire supérieur aux recommandations, enfin, c'est ni des normes ni des recommandations, disons aux chiffres de l'OMS, entraînant des dommages physiques et ou psychiques et ou sociaux, voilà, donc c'est nocif, hein. Et aux patients qui ne boivent pas tous les jours, mais lorsqu'ils boivent, ne peuvent pas gérer. On a déjà parlé. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose de nouveau. C'est des patients qui ne venaient pas se faire soigner, ou très peu. Et quand ils venaient se faire soigner, il y a quand même un certain nombre d'alcoolologues qui leur disaient, bah, écoutez, revenez quand vous serez dépendant, ou revenez quand vous boirez tous les jours, revenez quand vous venez. Et là, pour l'instant, bon, bah, faites un effort pour ne pas boire, ne sortez pas, ne commencez pas le premier verre. Et voilà, il y a cas. Dans la RTU, il y a des contre-indications. Donc il ne faut pas prendre d'autres médicaments simultanément. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de donner de la camprosate qui agit sur les GABA A avec le baclofène. On peut imaginer, chez certains patients qui étaient d'anciens héroïnomanes, on pourrait imaginer de donner de naltrexone en complément pour bloquer les récepteurs mu. On pourrait imaginer. Mais bon, a priori, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait. On peut imaginer. Les comorbidités psychiatriques. C'est complètement débile, je veux dire que, est-ce qu'on peut trouver, là je vais devenir un peu polémique aussi, est-ce qu'on peut trouver des patients qui n'ont que l'alcool ? Ça existe. Mais bon, en général, ils sont quand même un peu déprimés, ou ils sont un peu bipolaires, ou ils sont un peu borderline, ou ils sont un peu... Et puis il y en a qui sont... Bon, voilà, est-ce que ça... Sans comorbidité psychiatrique, mes copains psychiatres, ils se marrent, quoi. Ils disent, ça, j'en ai jamais vu. Insuffisance cardiaque sévère, j'en ai parlé un peu ce matin, je vous ai mis ce que c'était qu'une insuffisance cardiaque sévère dans le monde médical, c'est le stade 4 du NIHA, ou la classe 3 de l'autre classification, donc c'est classifié, on sait ce que c'est, donc c'est par rapport à la fraction d'éjection du ventricule, la FEV. L'insuffisance respiratoire sévère, ce sont les dyspnées de grade 5, alors grade 5 c'est quand même des gens qui ne sortent pas de chez eux, ou qui quand ils sortent ils ont besoin d'oxygène, donc c'est quand même particulier, bon. Je ne sais pas si à ce stade, on peut leur donner du baclofène. A priori, je vais vous dire, j'ai participé à l'élaboration d'un protocole chez les anesthésistes réanimateurs avec le baclofène. Et je leur avais dit, ah ben oui, mais c'est embêtant parce que les patients en réanimation, s'ils sont en insuffisance rénale, on ne peut pas leur donner. Et le chef réanimateur m'a dit, on s'en fout complètement, ils sont sous dialyse. Voilà, donc ceux qui sont sous oxygène, à la limite, ça ne doit pas déranger. Insuffisance rénale sévère, donc c'est la clearance inférieure à 30, j'ai dit. Puis en dessous de 30, de toute façon, ils sont en général sous dialyse. Donc, ils n'ont plus d'insuffisance rénale s'ils font leur traitement. Insuffisance hépatique sévère. Et là, c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi ils ont gardé ça, parce que c'est une erreur. Et je vous présente baclofène et cirrhose. J'ai piqué la diapo de Camille Barrault, mais elle a donné son accord. Aux journées francophones des pathogastro de 2015, elle a fait un très beau tableau où elle montre les études, trois études, qui montrent qu'il n'y a pas plus d'effets secondaires neurologiques, qu'il n'y a pas de dégradation de la fonction hépatocellulaire, au contraire, il y a une amélioration de la fonction hépatocellulaire, aucun cas d'aggravation de la fonction rénale, prudence, surveillance rapprochée, mais ça c'est normal, c'est pour tout patient qui a une cirrhose, et puis à qui on donne des médicaments. Voilà, donc c'est intéressant parce que
Les trois études sont positives, c'est-à-dire qu'il y a une modification des fonctions hépatiques dans le bon sens avec le baclofène par rapport au placebo. Donc je crois qu'il faut arrêter de dire que parce qu'un patient a une cirrhose, on ne peut rien lui donner. On peut lui donner du baclofène. Voilà, c'est la conclusion des hépatologues. Il y a des contre-indications, d'autres contre-indications, l'épilepsie, même si au tout début, le baclofène a été étudié pour l'épilepsie. C'est dans les années 70, et puis ça ne marchait pas pour l'épilepsie. Je pense que ça abaisse le seuil épileptogène, comme beaucoup d'autres médicaments, donc il faut être vigilant. Bon, est-ce qu'on a beaucoup de patients épileptiques? Je ne sais pas si c'est très prévalent chez les patients qui ont des problèmes d'alcool. Le problème, c'est qu'il y a des erreurs de diagnostic. Un certain nombre de patients qui ont des problèmes d'alcool sont étiquetés épileptiques. Or, ils ont fait un délirium très mince. Ils ont fait des convulsions parce qu'ils étaient en sevrage brutal. Ils ont arrêté leur benzo brutalement. Ils font des convulsions. On leur dit que c'est épileptique. Et voilà, ils sont étiquetés épileptiques. Donc, il y en a un certain nombre qui ne sont pas épileptiques et qui se disent épileptiques. Le Parkinson. Est-ce qu'on a beaucoup de patients parkinsoniens? J'aime pas le mot Parkinson. Comme un Parkinson, le problème d'alcool. Bon, vaut mieux éviter pour des problèmes neurologiques. L'intolérance au lactose, c'est anecdotique. On donne du urésal à ce moment-là, puisque le baclofène, il y a du lactose, dans l'autre, il n'y en a pas. Donc, c'est anecdotique. Les femmes enceintes, il y a quand même beaucoup de femmes enceintes qui ont pris du baclofène. Je pense que le baclofène est probablement quand même beaucoup moins toxique que l'alcool. Ça me semble évident. Donc, à choisir, je mettrais plutôt du baclofène que d'alcool. Mais bon, ça, c'est moi. Contraception obligatoire, le cas échéant, donc. Addiction à d'autres substances, sauf le tabac. Voilà, donc nos patients qui fument un joint le soir tranquillement, on ne peut pas leur donner de baclofène, hein, on n'a pas le droit, avec la RTU. Donc c'est complètement, j'allais dire débile, mais enfin disons que c'est complètement à côté de la plaque. Donc vous avez vu dans Bacleville, on peut fumer du shit. Je ne fais pas du prosélytisme pour fumer du shit, hein, mais disons que voilà, on accepte les patients comme ils sont. Ça n'empêche pas après de travailler sur le tabac, le cannabis, qui sont des addictions qui sont aussi nocives pour la santé. En phase de titration, conducteur de véhicule, utilisateur de machine, voilà, bon, on leur dit faire attention. Et donc, mon ami investigateur là, qui disait que c'était, en effet, il ne pouvait plus conduire. Bon, mais l'alcool non plus, ils ne peuvent pas conduire. Et le diazépam non plus, et toutes les autres molécules psychotropes non plus. Situation sociale rendant le suivi aléatoire, on a vu ce que c'était, les SDF, les gens qui n'ont pas de couverture sociale. En pratique, jusqu'à 120, donc la RTU... on l'a mis 120, c'est comme ça. Demander aux patients ses objectifs, comme je le fais, indifférence, boire comme tout le monde, abstinence. Alors on a des patients qui viennent nous voir en disant, voilà, moi je veux être indifférent, parce qu'ils ont été sur Internet, et ils ont vu qu'on parlait d'indifférence, donc ils viennent. On a des demandes comme ça, bon, d'indifférence. Moi je leur dis, bon, ok, pas de problème, mais je crois qu'il ne faut pas non plus s'obstiner à vouloir être indifférent, si déjà on arrive à diminuer, c'est une bonne chose. Mais sur les forums, il y a un très très bon, vraiment, il y a un soutien extraordinaire des forums. Et je crois qu'il faut conseiller à nos patients d'aller sur les forums, d'expliquer leurs problèmes. Il y a un très bon soutien de gens très avisés. Après, on trouve de tout sur les forums toujours. Mais je trouve que c'est souvent des bons conseils. Et on repère, comme ça on arrive, j'ai appris plein de choses sur les effets secondaires, comment on peut gérer certains effets secondaires. Prescription à la carte. Hein, c'est vraiment à la carte. Et je répète, comme l'insuline, comme l'L-DOPA. Par exemple, augmentation très progressive, je vais vous montrer un exemple. Prise en charge, alors voilà, c'est là, je dis, il faut qu'elle soit biomédico-psychosociale, culturelle, juridique, éthique, voire spirituelle, comme pour tout patient, en tout cas dans notre pratique à nous, de médecin généraliste, là, je suis médecin généraliste à la base, et à la fin aussi. Il y a un certain nombre de patients qui n'ont pas besoin de prise en charge sociale. Il y a un certain nombre de patients qui n'ont pas besoin de prise en charge spirituelle. Je veux dire que c'est pas... Et la prise en charge spirituelle, ça ne veut pas dire grand-chose. Simplement de prendre en compte que pour un musulman, boire, ce n'est pas pareil que pour un chrétien, que pour un iranien, prendre de l'opium, ce n'est pas pareil que de boire du vin. Je veux dire que la culture modifie un petit peu la représentation et la façon de fonctionner avec les produits licites dans certains pays, licites dans d'autres. Ouais. Donc c'est ce que je voulais dire, et ça, c'est à la carte. Prévenir le patient que parfois il faut 3-4 mois pour trouver la bonne dose de baclofène. Alors, parfois il faut un an, parfois il faut un peu plus. Ça, je ne leur dis pas, parce que ça va les désespérer. On est dans une ère où, actuellement, c'est tout de suite.
Voilà, c'est le zapping tout le temps, c'est tout tout de suite. C'est, en fait, c'est le propre de l'adolescent tout tout de suite. Normalement, un adulte, il doit avoir une pensée, une réflexion et une action. Et là, on est dans le cas de, en général, la pulsion. Il n'y a pas de pensée entre la pulsion et l'action. Et donc, c'est tout tout de suite. Donc, il faut leur faire prendre patience. Je pense que si je dis 3-4 mois, je leur dis c'est pas une angine, c'est pas un labago, c'est pas 5 jours de traitement. On est parti pour un an. On verra, je veux dire. Je ne dis pas que c'est à vie, parce que c'est désespérant. Même quand on dit abstinent à vie, c'est désespérant. Mais quand on dit c'est un traitement à vie, c'est aussi désespérant. Et je dis toujours, il faut... D'abord, on n'en sait rien, parce que peut-être que dans 2 ans, il y aura une molécule, et puis il n'y aura plus du tout besoin de médicaments, ou il y aura un truc, je ne sais pas quoi, et puis ça sera terminé. Donc on n'en sait rien. C'est-à-dire que c'est pour le diabète, qu'on a vu des maladies, l'ulcère d'estomac, on a vu des maladies qui ont disparu, qui sont soignées par un traitement antibiotique pour l'ulcère. Donc on n'en sait rien. Donc dire à vie, c'est très angoissant pour le patient. Il faut se mettre à la place du patient. Donc je dis un temps certain, voire un certain temps, puis on verra ensemble. Et je pense que c'est important. C'est des petits détails qui font la différence dans la prise en charge des patients. Donc prévenir le patient qu'il faut 3-4 mois. Et puis... dire, alors moi je le dis, hein, vous verrez, parce que le patient il revient en disant, vous savez, je prends votre traitement, je bois toujours autant. Je lui dis, ok, mais est-ce que vous avez repéré si vous buvez toujours aussi vite? Parce que les patients, au début, quand le baclofène va marcher, on a bien repéré qu'ils vont toujours boire leurs 3-4 litres de bière, mais au lieu de le faire en 3-4 heures, ils vont le faire en 6 heures. Et, ou alors leur bouteille de whisky, au lieu de la descendre tout de suite, ils vont mettre 2-3 heures. Ça, c'est un signe qu'il y a déjà un frein. Et je veux dire que le dire au patient, ah, ça, c'est un signe intéressant. Ça veut dire que ça ralentit. Vous voyez, il y a un frein. Et je pense qu'il faut le dire. Et puis, il y a, ça va marcher, donc je vous l'ai dit, donc boire la même quantité, mais plus lentement. Et puis aussi se surprendre ou être surpris par l'entourage de ne pas finir un verre. On voit des patients qui... J'en ai encore eu un très récemment qui m'a dit, voilà, j'étais à un mariage, et puis quand tout le monde s'est levé, la serveuse, c'était dans un restaurant, la serveuse a débarrassé tous les verres, sauf le mien, et je me suis rendu compte que je ne l'avais pas fini. Et du coup, tout le monde a dit, bah, finis ton verre. Et elle dit, non, je n'ai pas envie. Puis elle s'est levée. Et donc, voilà, elle ne s'était même pas rendu compte. Et c'était la seule de la table qui n'avait pas fini son verre. C'est la serveuse qui a pointé, en laissant le verre, qu'il n'était pas fini. Donc ça, ce sont des signes, je veux dire, placebo ou pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat. Et en plus, ce n'était pas un placebo. Titration pour les gens, pour les patients buvant la journée. On en a beaucoup parlé, on a chacun nos schémas. Bon, il faut aller lentement. Alors l'étude allemande, ils sont allés très vite. Alors j'en ai discuté avec Müller et il m'a dit, mais je vais te dire franchement, on est allé très vite parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour finir l'étude. Alors on s'est dit, on va raccourcir le temps de titration pour que c'est eu vraiment un problème d'argent. Et cette étude allemande où ils ont refusé toute aide non institutionnelle. Les comprimés sont à prendre le matin, au réveil, de midi si possible, une demi-heure, voire une heure avant le déjeuner, le soir vers 18-19h. Un demi comprimé de baclofène, 10 mg, 3 fois par jour pendant 2-3 jours. Il y en a ces 2 jours, il y en a ces 3 jours, il y en a ces 5 jours, il y en a ces 1 semaine à la carte. Puis il y a des médecins qui préfèrent aller plus vite. Il y a des patients qui sont très pressés, on leur dit oh là. Puis un demi, un, puis un demi, un, et puis un. Voilà, vous voyez, vous faites un schéma comme ça. En gros, c'est comme ça. Mais pour les patients qui ne boivent qu'à 18 heures. Et qui ont dans la tête l'alcool uniquement à partir de 17-18 heures, ça ne sert à rien de les inonder de baclofène dès le matin. Ça va les rendre somnolents, ils vont pas être bien. Donc, grâce aux patients, on a modifié un petit peu notre façon de prescrire le baclofène. On va leur demander d'abord à partir de quand l'alcool est dans la tête. Parce que s'ils n'y pensent pas du tout en se réveillant le matin, et s'ils commencent à y penser quand ils finissent leur boulot avant de rentrer chez eux, ce n'est pas la peine de les inonder de baclofène, je l'ai déjà dit. Donc, si c'est 18 heures, prévoir en moyenne 3 prises. Donc, ce qu'on propose, et là, on a la chance d'être aidé par les smartphones, parce qu'il y a des alarmes. Donc, je dis aux patients, mettez vos alarmes. Vous savez comment ça marche, les alarmes? Oui, très bien. Bon, il y a 10 ans, je ne sais pas comment on aurait fait. On aurait trouvé un autre moyen, mais bon. Là, c'est quand même, on est bien aidé par l'informatique. Alors, 13, 15, 17. Voilà. Vous donnez à 13, 15, 17, et on arrive à 18 heures, au moment où ça commence à rentrer dans la tête, et ben ça ne rentre pas dans la tête, et les patients nous le disent vraiment. Et quand on voit des patients qui avaient l'habitude de prendre matin, midi et soir, et qu'on leur donne ce schéma-là, ça change tout, parce qu'on est obligé, finalement, on donne moins de baclofène, on a moins d'effets indésirables, et ça marche mieux. Mais ça, on ne vous le parlera pas. Voilà. Au début, un demi comprimé, voilà, c'est un demi, un demi, un demi, hein, comme ça, c'est pareil. Voilà. Si c'est à une autre heure, même schéma, mais décalé.
Et quand c'est le week-end qui commence plus tôt, parce que voilà, parce qu'il se lève plus tôt puis qu'il bouge pas, et ben on décale tout le week-end. Et on fait la même chose, mais on décale tout à partir de 9h le matin. On peut donner en quatre prises. On peut vraiment à la carte. Et vraiment, c'est avec le patient. On lui dit de faire des essais éventuellement. Donc au-dessus de 120, deuxième avis, ça on le sait, service hospitalier, on sait, posologie maximale, ordonnance d'un mois, inefficacité, arrêt, bon ça on sait. Voilà, donc c'est ma dernière diapo, et ça me semble peut-être la plus importante, parce que voilà le schéma du traitement par le baclofène. On l'a fait, on vous l'a formalisé pour ceux qui ne connaissent pas. Vous voyez, donc on monte, on stabilise et on descend. C'est comme ça que je le montre aux patients, et souvent je leur donne. C'est simple. Alors, il y a tous les chiffres là. Hein, jusqu'au combien on va, de 5 mg à 630, on a mis, parce qu'on connaît un patient qui prend 630. Voilà. Et l'escalier, c'est bien. Alors moi, on n'a pas voulu faire un escalier qui, des fois, descend. Moi, je dis, vous montez 3 marches, vous en descendez une. Vous montez 4 marches, vous en descendez deux. Donc, c'est ça, l'alcool, la prise en charge. Hein. Et il faut leur dire, voilà, c'est pas linéaire, c'est pas une montée au ciel directe. Donc, voilà. Donc c'est... Et puis, vous voyez, dose, voilà, 63 jours, de 3 mois, 2 mois, 3, 6 mois. 3-6 mois, alors on peut mettre plus, ça peut être un an. Moi, je demande aux patients, il y a des patients qui me demandent de descendre, et il y a des patients qui me demandent surtout, je ne veux pas changer. Moi, j'ai une patiente qui est à 30 comprimés par jour depuis 4 ans. Elle ne veut pas descendre. Elle est tellement angoissée que ça ne marche plus en dessous, elle ne descend pas. Bon, mais je respecte. Elle n'a pas d'effet secondaire. Alors voilà, puis là, on a mis 3-5 ans, vous voyez, là, c'est ça. OK ? On pourra vous le donner, si vous voulez, c'est vraiment... Alors... Non, jusqu'à zéro. Non, alors je n'ai pas dit, mais on arrive, on demande au patient, quand le craving revient, quand l'alcool dans la tête revient, quand les pensées reviennent, eh ben, on est atteint peut-être un niveau, voilà, je pense qu'il faut remonter un peu. Hein, je crois qu'Olivier Amezen, il était resté à 9 ou 10, je ne sais plus, 12 ou 10, enfin voilà. Et alors on fait comme ça, puis après on fait un palier pour essayer de redescendre. Et puis moi, pour moi, sur ma cohorte, il y a à peu près 20% de patients qui ne prennent plus de baclofène. Merci.